permettetemi davvero un grande ringraziamento anche all'Accademia che ha saputo cogliere, quindi in particolare il suo direttore Fornaroli, questa opportunità perché questo incontro non fosse limitato nel territorio del museo, cioè di un'istituzione dedicata all'arte contemporanea, ma soprattutto un istituto legato alla formazione come l'Accademia di Belle Arti di Bologna. Ovviamente grazie a tutte le componenti, ma soprattutto grazie a voi per la grande partecipazione che dà senso a quello che abbiamo sperato di proporre in questa importante giornata. Grazie. Adesso entriamo nel vivo della conversazione. Direi, passo subito la parola a Patrizia Violi che ci farà da anfitrione in questo inizio di dialogo con Christian Boltanski Patrizia Violi. Grazie a tutti e soprattutto a Daria che mi ha voluto coinvolgere. Non preoccupatevi, sarò brevissima perché so che siamo tutti qua per sentire Christian Boltanski e non me. Una cosa, il titolo di questa incontro è Memoria e Arte. Io però aggiungerei una terza parola che mi sembra quella che sta sotto a tutto il lavoro di Boltanski, che è morte, perché la memoria di cui stiamo parlando è la memoria di chi non c'è più. Pourquoi nous sommes nés? Évidemment, nous sommes ce que nous sommes parce que nos parents ont fait l'amour à une seconde précise. Et est-ce que le fait de mourir tout à l'heure en traversant la rue, est-ce que ce sera ma destinée, c'est-à-dire est-ce que ça aurait été marqué dans le ciel que je dois aller à Bologne et que je dois me faire écraser, ou est-ce que ce soit seulement le hasard que je n'ai pas regardé à gauche et que j'aurais dû regarder à gauche? Donc cette notion de hasard et de destinée est pour moi fondamentale parce que c'est l'idée même de la croyance. Est-ce que ceux qui sont morts dans cet avion entre Bologne et Palerme devaient mourir? Est-ce que c'était écrit quelque part ou est-ce que c'est seulement le hasard? D'ailleurs, si on est religieux, si on pense qu'il y a une sorte de cohérence du monde, on pense que c'est la destinée. Si, comme moi, on ne croit pas à la cohérence du monde, on pense que c'est le hasard. Non riesco a trattenermi da fare una domanda. Per quale ragione fare questo patto con il diavolo? Come je l'ai dit tout à l'heure, c'était beaucoup pour vaincre cet interdit qu'il y a aujourd'hui de parler de sa propre mort. Quand j'étais jeune, et si on perdait quelqu'un, on avait un signe noir sur le veston, sur la veste. Et aujourd'hui, la mort est devenue une chose totalement refusée, presque honteuse. On ne doit surtout pas en parler. Et d'ailleurs, on ne meurt plus vraiment. On est à l'hôpital tout seul et un jour, on vous débranche. Avant, il y avait une sorte de cérémonie autour de la mort, il y avait les dernières paroles d'un artiste. La mort faisait partie de la vie, et souvent après, il y avait un grand repas, et les jeunes gens se rencontraient là pour fonder une famille, donc c'était une partie de la vie. Aujourd'hui, on voit plein de morts, mais seulement à la télévision. Ils sont devenus virtuels. Et donc, je voulais montrer qu'on pouvait parler de ça, et de le parler sans effroi, sans refus. Également, comme je le disais tout de suite, je m'intéresse beaucoup au hasard, et cet homme qui a gagné sa vie sur le jeu, qui m'a essayé de m'apprendre comment gagner à la roulette, par exemple, et qui prétend ne jamais perdre, me fascinait parce que celui qui prétend ne pas perdre est forcément le diable, puisqu'il pense qu'il est plus fort que la destinée. Je n'ai jamais été à l'école, j'ai quitté l'école à 13 ans. J'ai eu la chance d'avoir des amis très cultivés. Et ils m'ont parlé, j'avais écouté. Naturellement, j'ai trouvé plus Proust. Et c'est certain que ce que Proust m'a appris,
c'est justement le fait qu'il parle de lui, mais quand il le lit, on a l'impression qu'il parle de nous. On a tous été jaloux, comme il a été jaloux, on a tous attendu notre mère, comme il a attendu sa mère. Et donc, il m'a appris que, enfin, sans doute que la plus belle œuvre d'art qu'on pourrait faire, et que je ne sais pas faire, est de faire ressentir à chacun l'odeur du café qu'on prenait avant d'aller à l'école le matin. Et ça, c'est la chose la plus difficile à faire, que lui a su faire, et moi, je